Bonjour et bienvenue sur Automoto pour un essai très particulier sur le circuit de Valence en Espagne. Alors il ne s'agit pas de cette S1000RR qui est pourtant magnifique, mais nous avons l'immense privilège de pouvoir essayer aujourd'hui la HP4 Race, la plus exclusive des BMW, une moto limitée à 750 exemplaires, vendue 80 000 euros, réservée à la piste pour les sorties circuit, pour se faire plaisir. C'est aussi une moto de collection, en quelque sorte. Ici, on peut voir que cette HP4 profite d'un cadre entièrement en carbone. On a un bras oscillant en aluminium. Peau à Krapovic, toute la ligne. Regardez ici, la boîte. Ah, évidemment, on a un shifter à la montée comme à la descente. La bulle qui protège quand même pas mal. Regardons les suspensions, tout simplement sublime. C'est du Öhlins. Regardez la fourche inversée avec étrier Brembo compétition, 4 pistons. On a même des jantes en carbone. L'amortisseur arrière, c'est également du Öhlins, entièrement réglable. Au final, la moto fait 146 kg à sec et on est à 171 kg tout plein fait. Le moteur préparé fait 215 chevaux et on a 120 Nm de couple. Alors c'est très haut perché, hein, les 120 Nm de couple, c'est à 10 000 tours minute. Vous voyez, on a la moto de Kenny Forêt pour les 24 heures du Mans. Eh bien, est très proche finalement de cette HP4 Race. C'est ici qu'on met le contact. Et vous voyez, on a un affichage aussi avec les tours chrono. Et là, on peut directement intervenir sur l'anti-patinage et l'anti-wheeling tout en roulant. Et je dirais qu'il ne reste plus qu'à prendre le guidon. Sortie des stands, donc là c'est moi qui suis au guidon. Oh, vache. Alors, c'est pas évident de faire les commentaires en même temps, en plus je connais pas bien la piste. Difficile à incliner, hein. J'ai l'impression d'avoir une 250, tellement c'est léger. Merde, je me suis raté. J'ai raté le virage. On va les laisser passer. Là je commence bien. Donc, je dis que je connais pas bien la piste. Allez. La ligne droite des stands. Oh là 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 là. Je freine tôt, hein, parce que. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu fous là-dessus, mon pote? Oh la vache. C'est un avion. Alors les freins, il y a deux doigts à mettre. Donc tout de suite, ça mord. J'ose pas appuyer trop fort. Évidemment, on n'a pas d'ABS, hein. En piste, jamais. La boîte est vraiment bien. On a un shifter montée-descente. Allez, là, j'ai le genou qui frotte. Allez. Voilà, lui, il n'a pas le genou qui frotte, mais il m'a mis une dose. Hein. Avec... Oh, les gamins, ils me... Ouh. Bon bah c'était sympa, mais on va arrêter et on va passer la moto à un mec qui sait s'en servir, Kenny Forêt, le grand champion, je dirais, d'endurance français. Je vais lui passer la meule parce que lui il va vous montrer ce qu'elle a vraiment dans le ventre.
Moi, je me suis fait bien plaisir, hein, parce que ouais, c'est assez facile finalement, même un mec comme moi qui a pas un gros niveau sur piste, qui a pas beaucoup l'habitude, là, il va se faire plaisir avec ça, sans se faire peur. C'est vraiment top. Hein. Allez, je vais lui passer. Et vous allez voir ce que ça donne avec lui. À mon avis, ça va envoyer. Bon, Jenny, je te la prête. Ah, merci. Que tu montres au lecteur d'auto-moto comment ça marche vraiment, parce que là, moi, je me suis fait pourrir par des gamins de 14 ans. Là. Oh, merde. Pour 14 ans, je suis gentil. Attention, la boîte, elle est normale, elle n'est pas inversée, ouais. Comme en course. C'est parti. La moto est tellement facile à mettre sur l'angle, c'est incroyable. Pardon monsieur, mais moi je me tape. En fait, avec cette photo, ce qui est trop bien, c'est que tout paraît facile. Allez, j'ai l'impression qu'elle est vraiment mieux pour rouler sur circuit. Elle est d'une légèreté incroyable. Le freinage est surpuissant. En fait, c'est juste une vraie moto de course. La chose la plus embêtante, c'est que notre ami journaliste a pris une moto avec une vitesse normale, c'est-à-dire première en bas et les deux trois hauts. Et je vous avoue que je change pas trop de vitesse parce que c'est pas facile de changer comme ça de tout à l'heure. L'électronique est très 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 bonne. C'est l'électronique qu'on a. A beaucoup utilisé en course avec beaucoup de capteurs. Et voilà, c'est fini. Bon, le tour, ça fait pas grand chose, mais en tout cas vous garantir que c'est un plaisir dissimulé de rouler avec cette moto. En fait, c'est ma moto, enfin c'est notre moto d'endurance avec beaucoup plus légère en fait. Un freinage incroyable, c'est vraiment top. Alors. En fait, ce qui est bien, c'est que t'as rien besoin de faire, c'est déjà une moto de course. Ça ressemble beaucoup à la tienne, hein. Ouais, bah c'est celle des beaucoup moto d'endurance, parce que c'est les mêmes pièces, sauf qu'il n'y a pas le cadran carbone, il n'y a pas tout ça. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus léger qu'une moto d'endurance. Mais par contre, le moteur et les freins, enfin, et la fourche est très similaire, mais en fait c'est... C'est juste sa position de conduite qui est un petit peu moins bien par rapport à ta moto, je dirais. Non, même pas, parce que c'est une moto... C'est une moto qui est vraiment faite pour rouler sur circuit et qui a un peu tout le savoir-faire de Ben Hoover en une seule moto. Donc en fait tout est bien, l'assiette est tout de suite très très bonne, l'assise est très bonne en tout cas pour rouler sur circuit, le freinage est incroyable, la fourche pareil, donc c'est une très très bonne moto. Et tu penses que tu as été plus vite que moi pour les lecteurs d'automoto là? Écoute,
je crois que... On n'a pas fait de chrono, c'est dommage. Il y a un mec là avec la Moto 3 qui m'a dit que tu l'avais ouais. Bouchonné là. Ils vont peut-être m'embaucher pour les 24 heures du Mans. Non, pour les 24 heures Solex. Comment ça, mais tu sais, les petites motos là, avec une petite puissance. C'est pas pour toi ça. Salut, à bientôt sur Automoto.